Bonjour Monsieur Lucien, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans une nouvelle vidéo qui est les achats de septembre. J'ai pas exagéré, j'en ai que 9, voilà. Du coup, je vais vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite par celui-ci, c'est Love de Florine C. chez EH. Voilà, je ne sais plus de quoi ça part, mais je peux lire juste la petite phrase d'accroche. Une fois qu'il aura succombé à la tentation, plus rien ne sera jamais comme avant. Voilà, il me tourne très 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 fort aussi. Mais pas encore lu. J'en ai sur les 9, j'en ai un qui est lu. Voilà, mais je donne mon avis dans ce vlog que vous aurez samedi certainement. Il faut que si j'ai le courage de monter vendredi. Du coup, on continue avec le beau bébé quand même. Il est trop beau, mais il est gros. Que je compte lire le mois de novembre. Je commence à se dire Love. Voilà, il est trop beau. Chez Marc Blacking, c'est Elfen, je crois que ça se dit comme ça. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'aime vraiment, ça doit être dans du hockey. Maçon arrive à la patinoire de Grenoble. Moi j'aime bien parce que Grenoble, j'ai la belle-sœur de mon papy habite à Grenoble et j'ai été vitée de Grenoble. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ça va parler de montagne, de neige. Regardez, en plus c'est beau. Les chapitres sont magnifiques. On a la petite danseuse. Et quand on a sur le personnage masculin, dans sa confie, la masculine, on a un petit garçon qui fait du hockey. Voilà. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Du coup, je me dis pourquoi pas. Il est quand même assez gros, mais on va faire avec. Il fait 568 pages, mais il me tente absolument. Après, monsieur m'a pris. Ella et les 4 royaumes de, je sais pas si vous connaissez, mais elle fait des vidéos sur YouTube, de Thibou chez Fleurus. Voilà, j'ai toujours pas lu. Et voilà, vous avez sa tête ici. C'est un peu un univers un peu à part du mien, mais voilà, c'est écrit assez gros. Je me dis ça pourrait aller vite et voilà, et savoir ce qui va se passer. Je vous lis la petite ligne d'accroche là. 4 royaumes indépendamment à l'ombre d'une guerre sans merci. Voilà. Je ne sais pas plus et je n'en veux pas trop en savoir plus. Voilà. Après, j'ai Picnuck de Fanfan des Cades. Il y a un bruit qui fait chez moi, mais. Voilà, chez Hugo dans la collection Nous Romans, en poche bien sûr. C'est aussi un gros pavé, comme vous pouvez le voir. Doivent-ils changer pour s'aimer? C'est une comédie romantique, je crois. Voilà, je ne sais pas. C'est le tome 1. Je pensais le lire, mais toujours pas lu. Mais ça va pas traîner. Enfin, on verra avec moi. Tout traîne en fait. Après, je me suis pris La Dette de Marjorie Nauman. Voilà, chez Hugo Poche dans la collection Nous Romans. Celui-là, il me tente, mais je viens de voir des avis mitigés. Du coup, il me fait un petit peu peur. Je ne sais pas pourquoi. La personne que j'ai regardée, elle n'aime pas le personnage féminin et pourtant c'est elle qu'on va suivre. Du coup, j'ai un doute. Bon, je ferai mon propre avis, c'est pas ça, mais voilà. Après, je me suis pris, parce que j'avais le tome 2, mais pas le tome 1, Viens, on s'aime, de Morgane Moncombe, de chez Hugo Poche, chez Nous Romans. Et là aussi, je vous lis la petite phrase qui est juste là. L'amour fleurus pour parfait là où on ne l'attend pas. Et là, Viens, on s'aime, je sais plus, un truc comme ça. Voilà. Par contre, il est arrivé tout dégueulasse, je sais pas si vous allez voir. Mais on va faire avec. Voilà. Et comme c'est Morgane Moncombe, jusque maintenant, je n'ai jamais été déçue. Du coup, bah, il faudra que je le mette. Celui-là, j'ai le tome 2, mais plus moyen de mettre ma main dessus. Du coup, je vous montre le tome
1. De toute façon, j'avais pris les deux en même temps. C'est Campus, bienvenue à Allosens, chez Bayard. Et le titre, c'est Sur l'invitation. Du coup, voilà, du Campus aussi. J'avais l'autre tome, mais pas moyen. J'ai envie de le lire. Je sais pas si je me le ferai pas aujourd'hui. Enfin, voilà. Parce que j'ai fini ma lecture, que je vais bientôt vous montrer. Et je suis en train de chercher ma lecture. Voilà, j'hésite avec celui-là et celui que vous allez avoir maintenant. C'est celui-là. Que j'hésite entre ces deux-là à lire là. Voilà. Mais je pense que ça va être celui-là parce que le tome 2 sort ici bientôt, je pense. Léanor, les dieux du campus, tome 1 chez Hugo dans la collection Nous Romans. C'est deux autrices qui écrit. Et là, on va retrouver. Tout le monde a adoré ce livre. Du coup, je me dis pourquoi pas commencer cette lecture comme l'autre va arriver. Aller à l'université n'aura jamais été aussi décisive qu'il y avait des dieux du campus. C'est une comédie romantique. Voilà. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Voilà. C'est pas ma couleur favori, le jaune, mais ça donne bien comme ça. Du coup, pourquoi pas, j'hésite. Et pour conclure cette vidéo, je vous laisse aussi lire le titre que je viens de terminer hier soir. C'est Happy Ever Island chez Hachette Eros de Crystal Castari, si je le dis bien. Voilà, j'ai adoré cette lecture. Je vais pas trop vous en parler, je vous laisse en découvrir, mais on va suivre l'univers de Disney. On va juste suivre deux personnages qui adorent Disney, enfin une sur les deux, et ils vont aller devenir des princesses, on va dire. Ils vont rentrer pour une semaine devenir des princesses dans le monde de Disney. Du coup, voilà. Mais on voit aussi les à côté. Lisez-le, je le conseille. Il est trop top, top, top. Voilà. Du coup, voilà pour ce que j'ai acheté sur le mois. C'est pas beaucoup quand même, je trouve. Je sais pas si j'arriverai à tout vous montrer. Ah, hop là, voilà pour tout ce que j'ai acheté. Voilà, avec un déjà lu, c'est déjà pas mal. Qui va partir chez mon ami en plus. Je vais le finir avant samedi. C'est fait et c'est. Je pourrais lui donner samedi. Voilà, comme ça, Laura. Et bah, c'est tout. J'espère que vous. Dites-moi ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et enfin, ce mois-ci, le mois de septembre. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de un petit commentaire, je vous réponds. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!